Salut à tous et bienvenue sur la taverne des casus. Et j'avais lancé ce jeu pour filmer et j'ai complètement oublié de filmer l'introduction de ce jeu. Donc salut les amis, bienvenue sur Arena, salut Burton, salut Capo qui sont mes partenaires de la journée, de la soirée plutôt. Salut tout le monde. Comment ça va les gars? Oh putain, je garde le drapeau Super. quand même. Donc j'ai Capo qui est prévu de faire un mur assez dense hein, devant moi. Avec trois régiments. Tu les as paqués là? On a de la cave qui arrive derrière nous, enfin qui va sûrement nous déborder par la Ouais. fronte. Non, bah non. Ouais, Non, mets un mec ils sont derrière montés. peut-être. Bon, ils sont montés. Ok. Ouais, je pense que si tu mettais un mec sur le drapeau, Capo, ça pourrait être pas mal. Capo qui ne parle plus. Ouais, on a perdu Capo. Non, je suis là, je suis là. Ok, c'est juste ok. que le livreur avait appelé en fait. Ah. Capo le livreur est là, Namor. Capo qui se fait livrer des burgers. Ah oui, non, mais la flemme ce soir, sérieusement. Putain. Ouh, je vais pouvoir tirer sur les gars qui sont à droite, non? À gauche? Oui! Oh, même sur les archers, ça va être magique. Allez, feu! Allez, on fait du petit bois avec les archers. Voilà. Bon, il y a 3 unités de cavalerie là sur le côté. Merde, les archers devant moi, ils sont bien paqués. Oh, ça va être magique. Ouais. J'aimerais bien les atteindre d'ailleurs. Le mec, il charge des hoplites. Par contre, la cavalerie grecque, qu'est-ce qu'elle fait mal? Salut CJ, comment vas-tu? Passe en pleine vidéo, est-ce que ça va? Oui, pardon, excuse-moi, j'arrive. Pas de soucis, y'a pas de soucis, tu seras là pour la prochaine partie. Je suis désolé, en plus j'étais en plein combat d'aspirateur, c'est un peu la merde. Combat d'aspirateur chargé. C'est intéressant. Je me bats contre des créatures chez moi, c'est assez violent. Contre des aspirateurs, c'est ça. avec l'aspirateur, je me bats contre des créatures, effectivement. D'accord. J'ai eu ça il y a pas longtemps, je suis. Oh, putain, il y a beaucoup trop d'archers, il y a beaucoup trop d'archers en face! Qu'est-ce qu'on fait? Antoine, à l'aide! Burton! Ouais, j'arrive. Enfin, si je peux. Moi, je serais pas passé par là, j'aurais passé genre tout droit là, tu vois. Genre, voilà, là. Je vais faire des flèches à Burton, sinon il comprend pas. Ah, si, c'est bon, je vais les avoir. Ils sont tellement trop en face. Ouais, j'essaye de tanker là. Ouais, mais en fait, ils te visent pas, enfin, ils visent pas trop. Du coup, c'est compliqué. Ouais, j'ai tanké la chemise. Merci, Cigeron. Merci. Merci. Bon, on va rater le TK. Merci. Hop, j'arrête de tirer dessus, okay, Antoine. Remarque, j'ai pas beaucoup tiré dessus. T'as pris qu'une volée, ça va. Ouais, non, ça va. C'est la volée gratuite, la prochaine est payante. Hein. Fais gaffe, Capo, on se fait contourner. Fais gaffe, Capo, on se fait contourner. Fais gaffe Capo, je vais me faire charger. Ah, courez, pauvre fou. Retourne ton unité devant, retourne ton unité qui est devant, retourne ton unité. Oui, oui, t'as réussi, bravo. Bon, je vais faire un tir précis dans les unités de. Ah, le mec, du coup, t'ignore complètement. Hein. Il tente de passer contre mes archers, c'est tout ce qu'il fait, quoi. Même pas il combat, le mec. Hein. Ouais, du coup, je vais rater le TK parce que je comprends anglais parce que je TK. Gna 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 gna. Il fait du TK encore une fois. Gna gna. Eh ben, bravo, c'est malin. Bravo à t'avoir des casus. Hein, Bon, ben, voilà, on les a défoncés. Ouais, il va me charger. Il va me charger. Au secours. Ok, il s'enfuit. Bon, je taquais un allié, mais non, je taque pas un allié. Tout de suite. C'est plutôt moi qui t'ai attaqué à un moment. C'est ça, c'est toi qui m'as attaqué, oui. Ah, bravo, bravo les alliés. Hein. Voilà. Shooton du cavalier, un jouet à la bonne humeur. Bon, j'ai l'impression que là, les cavaliers de Thébains sont quasiment plus rapides que les cavaliers barbares, ce qui est pourtant pas le cas normalement. Non, arrête de tirer, t'es en train de buter Antoine. Tu butes Burton. Bon, allez, hop. Il y a les hoplites de Capo qui sont en train de donner un coup de main. Oula, bon, je crois qu'il aura déjà fini depuis. Je vais finir. Putain, j'ai mis vachement de temps à tuer les archers, putain. J'ai l'impression qu'ils ont diminué un peu les stats de la cavalerie. Et qu'ils ont peut-être augmenté un peu le corps à corps des archers. Mais je trouve que la cavalerie barbare est moins puissante quand même que la cavalerie grecque. Hein. Là, ah, bah oui, bien sûr, elle est beaucoup moins forte, mais elle est plus rapide. Ouais, c'est ça. Moi je joue la cavalerie barbare et. Je suis en train de perdre mon général et il se bat 1, 2, 3, 4, 5 contre 1. Effectivement. Effectivement, il va y avoir des soucis. Quoi que c'est un hoplite, il risque rien. Ah, là, c'est bon. Ah non, c'est bon, il est mort. Ah. Bon, il est par poutre. Bon, par contre, on va se faire cap, hein. Peut-être aller défendre. Quoique. Ouais, peut-être les aider là. Hein.
Je crois qu'il y aura, il y aura suffisamment qui va aller cap, j'imagine, donc faut juste... Tire dessus avec tes archers, là, sur... Ah bah non, je vais les regarder, juste. Ils ont que de l'infanterie. Pourquoi tu y a plus de cavalerie, là. Par contre, ils vont sous dans les fourrés, je pourrais pas aller les choper. Non, mais je vais venir, attends. Je vais te les montrer. Et on a aussi deux régiments d'archers qui sont là. Allez, plus vite, ils vont cap. Remarque, si ils cap, ils pourront pas cap parce qu'il y a mes archers. Ah, une petite déroute, ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que son général est mort et du coup, le moral a pas suivi, quoi. Je pense que cette partie est gagnée, les amis. Vous avez pu voir ce que ça fait du coup quand pour une fois les archers sont défendus par. Bon, est-ce qu'on gagne tout ça? Oh oui, on a du gros épéiste gaulois contre du Milites. Enfin, de la Sensi même. Ça risque rien. Ça risque rien. Bon, je vais tirer dans le flanc de ces archers là. Ça fera beaucoup plus de dégâts que si je tire dans la face des autres. Au pire, j'essaierai de faire des caps. Bon, tiens, je vais faire un petit peu de décap là. Hop. Voilà, un petit peu de décap. Ah, il recule ses hoplites comme ça, c'est sympa. De pouvoir les reculer en reculant, tu sais. Plutôt que de... Ah oui, ouais. Oh, putain, oui, c'est ce que j'avais déjà vu. Ouais. Je vais venir me faire charger par les Romains qui sont là-bas, là, je les ai vus passer. Ah, ils sont juste derrière moi. Juste un peu de décap pour le plaisir. Quoi, là, j'ai un gros Germanicus qui vient full unité, peut-être éloigner un peu. Ah, d'ailleurs, il veut me viser moi, clairement. Hein. Ok, il arrête de me viser. On va tirer sur les mecs qui sont là, du coup. Pour un peu de décap. Hop. Hop. Ah bah tiens, ils sont déjà en fuite. Hop, 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 hop. Bon, je pense qu'ils risquent pas de cap s'ils ont rien pour affronter mes archers. Hein. Ouais. Ah, c'est bien, ils bougent pas, les mecs. Je suis en train d'en faire des petits pics apéritifs, tu sais. Bah, ils peuvent rien faire, hein, franchement. Ouais. Bon, ils peuvent aussi courir après moi, hein. Une erreur de qui est vite arrivée. Hein. En plus, il a pas la tortue. Ah, si, il y en a un qui a la tortue quand même. On va tirer sur la tortue, c'est pas grave. Ah, eux ils sont de dos. Ça va être bon ça. Il y a des javelots qui me tirent dessus dans les fourrés. Ouais, je vais les trouver. Ah, il y a quelqu'un qui t'appelle, Capot, dans le chat. Vigo, quelque chose. Je pense que tu l'aides, je sais pas. Bon bah la partie est gagnée, les amis. Hein. Capo, please. Quoi, please? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que t'as dû passer à côté de lui sans l'aider. Il a dû hurler, genre aide-moi. J'aide mes alliés, je suis désolé. Alors, j'ai dû aider Alexandre. J'ai aidé Alexandre. Ouais, tu m'as aidé, c'est vrai. Il jouait quoi? Il est parti du coup le mec, mais bon après je peux pas aider tout le monde non plus. Hein. C'est ça. Tu ne peux pas. Bah je fais pas de décap, parce que j'ai pas de mort, ils sont en tortue, c'est pour ça. Bon, je vais me rapprocher un peu. On marque qu'il reste en tortue et que le mec derrière le charge. On l'a gagné. Ouais, ouais. Dommage, j'ai failli le charger. Victoire. T'es à deux doigts de le charger. Bon, et bien voilà, 800 expériences sur une seule bataille. Ouh, j'aime beaucoup ça. Oh là 400. Là, j'ai une unité, elle a fait 561 pour l'expérience. Waouh, putain. Je suis deuxième de la partie. Oh putain, bon. J'ai eu beaucoup de morts par contre. Moi hein. Bon, je vais aller manger, je reviens après. Ok, bon, on continue juste avec Burton et CG s'il est dans le coin. CG? CG Ron? Parce que si je l'invite, il réagit. Hop. Quelqu'un qui veut call Sigiron? Non. Burton, tu peux lire mes messages? Je sais pas comment on fait en fait. Tu double-cliques sur son nom. Je vais l'appeler, les amis. Pour finir cette vidéo en beauté. Bon, sinon on jouera à deux, c'est pas grave, hein, y a pas. D'ailleurs, je vais tester. Est-ce qu'on jouerait pas tous les deux de la cavalerie dans cette partie, mon petit Burton? Bah si tu veux. Ok, bon, je fous le cavalerie et on va voir si ça marche bien, les amis. T'es prêt? Ouais, vas-y. Vas-y. Quoi? Comment ça, je suis le seul joueur du groupe?
On va retirer si Jérôme, c'est bon. Voilà, hop là. Ouais, c'est bon. Faudrait penser que sur l'autre Discord, il y a... Je sais plus comment il s'appelle, attends. Projo, c'est ça. Ah, là, dommage. Coucou, si t'essayes de l'appeler. Wow, pour la prochaine. Non, mais là, il est absent, mais pour la prochaine. Ouais, pour la prochaine. Bon, je regardais mes stats, moi. Ah, dommage, on voit pas les dégâts contre les alliés. Je voulais voir comment j'avais fait, parce que je suis sûr que j'ai fait beaucoup trop. Ouais, on voit pas les dégâts qu'on a fait aux alliés, bon tant pis. Ouais, c'est dommage qu'il marque pas ça. Bon, pas grave, mais bientôt niveau 4, ma petite... D'ailleurs, je la prends elle pour jouer les cavaliers. Bon, ils iront plus vite, hein, c'est sûr, mais ils auront pas trop de charge. Hein. C'est pas une générale de cavaliers, elle. Ouais, Alexandre le Grand, il coûte super cher. Hein. Il coûte super cher, mais pour l'avoir testé, il fait vraiment la différence. Hein. Bon, tu l'avais essayé toi aussi sur Steam? Je crois pas, non. Ah bon, ok, moi je l'avais essayé, j'avais kiffé. Bon, les amis, je vous parle rapidement pendant que ça charge pour vous dire que bientôt je vais vous faire un let's play à partir du 13 septembre qui sera sur Samurai Riot. Et alors, je veux pas entendre de placement de produit dans, dans les commentaires. Non, pas de placement de produit, juste j'ai adoré le jeu et donc je vais vous en faire. Vous allez en manger, hein. Et si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, j'en ferai moins que prévu. Mais il y en aura quand même. Où est-ce qu'on se met, mon petit Burton? Alors, c'est quoi cette carte-là? C'est Salernum. Ah oui, ok. Elle te dit rien? Ce truc avec la très grande ville, là. C'est ça, bon, on va jamais être dedans, parce que c'est un bordel monstrueux. Non, ouais. Enfin, je connais pas trop, quand même, cette carte. Moi, je proposerais de passer au milieu, mais dans les vignes, tu sais. C'est pas les vignes, c'est plutôt les champs de... Ouais, je vois. De blé, c'est les champs de blé. Ils sont bien verts, mais c'est les champs de blé. Bon, là, comme on est full cavalerie, on est très dépendant de nos alliés, quand même. C'est... À côté, on a beaucoup de cavalerie dans notre armée aussi. Hein. Bon, on a 1, 2, 3, 4 joueurs qui jouent cavalier. Ouais, on est la moitié de la cavalerie, quand même. C'est ça. Et on a une cavalerie de choc, et une cavalerie... bon, elle s'appelle cavalerie de choc, la tienne, mais c'est plus des cavaleries d'escarmouche qu'autre chose. Ouais. Bon, mettons-nous, genre là où je me suis mis, tu vois ou pas? Ouais. Ok, toute la carte est sur le flanc gauche, génial. Donc, on va descendre un peu, vas-y, descendre un cran. Voilà. Super, c'est la cavalerie qui va défendre notre artillerie. Ah bah, il nous a suivi, Oui, c'est malin. Alors, en tout cas, faut surtout pas qu'il aille dans la ville, le pauvre, hein, parce que cavalerie dans la ville, il va tomber sur les murs de pute à chaque endroit, il va comprendre pas ce qui se passe, le mec. Bon. En avant. Je propose d'aller voir, d'aller titiller la tour qui est au-dessus de nous, en passant par les champs. Ouais. Choc Cavalry. Puis les cavaliers ont des bonus dans l'herbe, c'est ça? Ah d'accord, c'est pas qu'il y a des bonus, c'est qu'elles ont juste camouflé, que c'est pas comme dans les forêts où il y a des gros malus. Donc on a pris la tour avant eux. C'est plutôt une bonne chose. Ah. Ok, il y a du monde. Il y a des mecs là. Il y a pas mal de monde. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Non, bah là on se replie. Hein. Ok, repli. Je dis à votre camarade de se replier. On lui donne une grosse flèche rouge. Enfin, bleu du coup. Il y a un problème de couleur le gars. Bon. En plus, je poursuis par la cavalerie d'escarmouche adverse. Ok, bon, quoique maintenant on peut peut-être revenir puisque du coup il commence à y avoir du monde avec nous. Ouais. Parce que sans notre infanterie, c'est sûr que ça vaut pas le coup d'y aller. Passons par les champs. C'est un bon plan. Enfin, ça a le mérite d'être un plan du moins. Bon, je sais pas, mais. Non, c'est bien, ils se font arroser là, ils bougent pas. Je vais approcher les mecs à moi sur son flanc au cas où s'ils tentaient une action
une action conne, je serais prêt à saisir l'opportunité. Le petit Burton qui s'est mis en embuscade. Bon, je pense que je vais approcher, hein. Ils ont dû faire le tour les autres. D'accord, ils ont pas fait le tour, ils sont là. Bon, quoique, ma cavalerie est meilleure que la sienne en choc, j'imagine. Est-ce qu'il me voit dans la forêt? Ah, il est con, il est à la tour, évidemment qu'il me voit. Évidemment qu'il me voit. Ouais, il a déplacé son infanterie là. Ouais, donc il a plus la tour, donc il me voit plus, ça veut dire. Ah merde, mais il y a de la cavalerie qui est sur nos alliés. Oh putain. Ah, oui. Il y a de la cavalerie sur moi. Où ça, t'es où Burton? Je te vois pas, je suis en dessous. Ok, j'arrive. Je suis en dessous dans les vignes là, je me fais violer. Mais c'est pas la cavalerie qui est sur toi, mec. Ah si. Ah si. C'est la cavalerie. Ok. Et toi aussi sur la cavalerie sur toi d'ailleurs. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Je viens de perdre la moitié de ma cavalerie. Ouais, je crois qu'on a un peu mal. Il est temps de tenter de s'enfuir. Ah, je l'ai vraiment pas vu venir celle-là par contre. Ça chie. J'irais bien t'aider, mais je suis trop dans la merde pour venir t'aider toi. Donc je viens m'aider. Non, vas-y, fais une charge, tu peux faire une charge ou pas sur le, sur le... J'arrive. Ah voilà, il barre, il est lâche. Très bien, je me barre. Ouais, moi aussi. Courez, fuyez, pauvre fou. Putain, je vois des petits archers là-bas. Ça s'accroustille. Tu fuis, hein? Bah non, en fait, je suis engagé une cavalerie, je peux pas la reculer celle-là. Hop, j'ai voulu couvrir tes arrières, camarade! Attends, je vais charger aussi. C'est dommage. Je vais charger aussi. J'ai chargé une autre cave, mais j'avais pas mon cooldown de charge. Donc puis j'aurais pas dû faire le combat parce que du coup j'ai perdu tout mon moral. Bah, Alexandro, c'était bête. Ralliez-vous! Merde, bon, c'est foutu. Bon, bah, les amis, faire que le c'est parti parce qu'on a vraiment fait de la merde. J'espère que ça vous a plu de nous voir faire de la merde, du moins. Ouais, je vais mettre un bonus de 2 tirs sur les cibles adverses. C'est cool. Alors, on a eu une unité en tir de cavalerie et demi. C'est bien. Je pense qu'on peut s'en faire 3. Hein. Ouais, on va se faire les 3 là. On en perd 6, on en fait 3, ça. On est rentable. Pas du tout. Bon, moi je charge de face l'unité qui est en face, toi tu prends les flancs, ok? Attends, j'ai plus de charge moi. Ok. Donc non, je propose qu'on fuit en fait. Ok. Replions-nous. Nos alliés, ils ont gagné en plus. Ils ont... Non. Tu vois qu'ils ont gagné, toi? Ah oui. Globalement, on est... Ok, il faut se casser, ils chargent. Oh putain, merde, j'ai pas vu. Je l'ai dit pourtant. Parce que c'est moi qui me suis engagé en plus, je crois. C'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui me suis baisé. Mais c'est pas possible. Calimero, quoi. Courez! Fuyez, pauvre fou. Ah, c'est bon, il y a des petits hoplites. Je vais me foutre dans la ville et tous nos alliés. Oui, c'est une très bonne idée. Je me fous derrière les hoplites aussi, ça peut être pas mal ça. C'est le cavalier qui se cache derrière les hoplites. C'est pas très beau ce que vous faites, monsieur. Je m'en bats les couilles. Ok, on va aller chercher les archers. Parce que l'hoplite, il a laissé un trou. En profiter. Ouais. Exactement, ouais. Allez, on va s'engouffrer si mes cavaliers ne fuient pas avant d'arriver au corps à corps. Ce qui est peu probable. Allez, bam! Bien joué! Le petit trou. Putain, avec 3 cavaliers quoi. Ouais, et par contre ils vont sûrement mourir. Mais au moins, ils auront empêché que ça s'attire pendant un petit instant. En plus, tu vas prendre la chute. Ouais. Enfin, j'essaye. Il m'en reste toujours plus que 3, mais comme ils sont bons contre les... Ah, il y a mon général d'ailleurs qui est là. Ah, mon général qui se bat à main nue. Clairement, regarde, elle est clairement à main nue. Je pense que c'est parce qu'elle a un arc, et comme là je l'ai mis à cheval, bah ils ont pas modélisé l'arme encore. Et du coup, Arena, si vous m'entendez, ça pourrait être sympa de modéliser. Ah, elle a une lance, c'est bon, elle a une lance de combat. Ça pourrait être sympa. Ok, j'ai fait une charge dans les maisons, j'ai perdu de la vie. Bon. Oui, c'est souvent ce qui arrive quand tu charges un mur. Hein. Souvent, j'ai une idée, tu prends ta voiture, t'accélères beaucoup, tu fonces dans un mur, tu vas voir, c'est très agréable. Burton, 1991 de 2017. Ah, bon, ok, je suis encerclé par des hoplites et toi aussi. Oui. Je sais pas si t'as vu. Et notre, oui, si j'ai remarqué, notre allié ne charge pas l'hoplite adverse, il se met en mur hoplitique, ce qui est complètement con du coup pour charger les hoplites. Non, mais c'est un bon plan, y a pas à dire. On reste plus deux cavaliers. Il veut pas prendre de risque, il a perdu 2-3 unités, je crois. Ouais, 2-3 quarts même. Hein. Fais gaffe quand t'es en train de charger les hoplites, c'est pas une bonne idée, mec, avec ton autre infanterie, ton autre cavalerie. Putain, mais les gars sont dos. Les gars adverses sont dos et tu leur fais rien. C'est particulier quand même comme type de combat.
Ouais, c'est un peu. C'est remarque, le temps que Zopita aille encore à corps avec notre cavalier, je pense qu'on a le temps de gagner. Hein. Les archers, on les aura bien niqués, tu vois. Ça, c'est bien fait. Allez là, venez nous aider. Puis il s'enfuit, l'Hoplite. Non, mais il est sérieux. Il doit se dire qu'on va gagner, mais il a pas compris, le mec. Oui, j'étais de la cavalerie, putain de merde. Et je veux sortir de là. Laissez-moi, je suis mort. Bon, bah, les amis, en tout cas, c'est comme ça qu'on va se laisser. Vous inquiétez pas, c'est sûrement une victoire. Oui, ils sont en train de cap. On est 1000, ils sont 500. Enfin, quand on aura perdu, on sera plus que 898, mais. 880, non, on perd des gars quand même, hein. Mais aussi, ils sont à 400. Oui, on est le double 2, donc c'est bon, c'est gagné, les amis. J'espère que cette partie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la Taverne des Casus pour nous soutenir et un petit pouce bleu pour nous améliorer dans le référencement. Comme ça, d'autres gens pourront voir qu'on fait des vidéos et que on fait des vidéos. Bah, du coup, si vous mettez un pouce bleu, c'est qu'elles sont bien. Enfin, du moins, c'est que vous les pensez bien. Salut à tous et bonne soirée!